Rebonjour. Donc aujourd'hui, on se retrouve autour d'une table ronde. Et le thème de notre... Je disais, aujourd'hui, on se retrouve pour une table ronde et le sujet de notre table ronde est les fondements pour une IA équitable. On a avec nous quatre intervenants de marque, deux qui sont avec moi en présentiel et deux qui seront à distance que je vais vous présenter d'ici peu. Cette session de table ronde, autour de cette session de table ronde, on va échanger autour de questions centrales pour la mise en place d'une IA équitable en Afrique. Et pour ça, on va aborder plusieurs sujets, comme notamment les définitions et les valeurs d'une IA équitable, qu'est-ce que c'est tout compte fait et qu'est-ce qu'on souhaite que ça soit. Mais aussi, on va parler de la participation et l'inclusion des communautés marginalisées, l'utilisation de l'IA par les gouvernements aussi, notamment pour les services sociaux, publics, etc. Et surtout, en fait, mesdames et messieurs, je vous invite à réfléchir tout au long de notre échange, parce qu'on ouvrira des questions de l'audience à la fin. Donc ça serait d'autant plus intéressant s'il y a plusieurs personnes qui ont des questions pour nos intervenants. Parmi les intervenants qu'on a, à ma gauche, nous avons Son Excellence Monsieur Luc Missidimbasi. C'est un acteur très très engagé dans le développement du numérique en Afrique. Il est non seulement conseiller du Premier ministre du Congo, mais aussi directeur des projets et de la prospective à l'Agence de régulation des postes et communications électroniques. Il est également promoteur d'un des plus grands salons tech et innovation en Afrique, qui s'appelle OSIAN, si je prononce bien, qui réunit plus de 5000 participants venant d'Afrique, d'Europe, mais aussi d'Amérique, et qui a lieu tous les ans à Brazzaville. Et à ce titre, le forum rassemble des gouvernements, des institutions, des entreprises publiques, privées, des porteurs de projets, mais aussi diverses personnalités. Et il est également président de l'association Pratique, qui se fixe pour mission de promouvoir l'éthique et le numérique en Afrique. Nous avons également M. Amanou Diawara, qui est en ligne, si je ne me trompe pas, avec nous. Il est chevalier de l'Ordre national, donc c'est quand même important de le noter. Il a grandi entre le Mali et la France. Il a plusieurs diplômes, et le dernier en date, c'est un MBA en management des projets informatiques. Et aujourd'hui, il est président fondateur du réseau des universités virtuelles, notamment Cluster Digital Africa Virtual Academy, qui est une plateforme d'intelligence collective et de co-construction. Et il est également président fondateur du réseau social CediSpace, qui englobe toute une panoplie de solutions digitales comme l'event, le crowdfunding, le sondage et plein d'autres choses. Il est aussi vice-président du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Mali et membre du chapitre malien de ISOC, donc Internet Society. Nous avons également M. Jérôme Ribeiro. Donc M. Ribeiro est président cofondateur de Human AI. Donc Human AI est la société qui a co-créé la première maison de l'intelligence artificielle d'Afrique. C'est un lieu physique d'acculturation, d'expérimentation, de sensibilisation et de démystification de l'intelligence artificielle. C'est également un fervent défenseur de l'éthique adossée à l'IA. Et à ce titre, il va donc éduquer, former le grand public, les étudiants, les entrepreneurs, via des conférences, des colloques comme celui-ci, des ateliers sur les enjeux de l'IA avec une approche éthique, inclusive et responsable. Monsieur Ribeiro est également vice-président d'instituts Europe AI et Afrique AI, qui sont des instituts qui mettent l'humain au cœur de l'IA avec des experts de renom, des grands cycles de conférences, des publications, etc. Il est également vice-président d'honneur de Cluster Digital Africa et donc je me doute qu'il connaît Monsieur Adamou Diawara par extension. Et enfin, en ce qui concerne plus particulièrement autour de l'Afrique, il est ambassadeur Afrique World AI Cannes Festival. Et enfin, nous avons M. Célestin Sedogbo, si je ne me trompe pas dans la prononciation, qui a une spécialité autour de l'IA et notamment le traitement automatique du langage et plus particulièrement de l'analyse du discours. Actuellement, il dirige l'Institut Connexion, qui est lauréat depuis 2021 du label Carnot. C'est un label d'excellence décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur
et de la recherche et de l'innovation en France afin de valoriser les structures de recherche qui s'engagent dans la recherche partenariale avec les entreprises. Et donc l'Institut Cognition est composé de 22 unités de recherche réparties sur le territoire et c'est la plus grande structure de recherche en Europe dédiée à la cognition. Donc voilà, c'était une présentation plutôt brève des intervenants parce qu'ils ont tous des profils absolument exceptionnels. Donc j'ai essayé de sélectionner les éléments les plus marquants. Et donc messieurs, c'est à vous maintenant que je vais vous donner la parole. Et donc pardon. Donc je disais une question peut-être assez simple mais qui est très importante, c'est quelles sont les valeurs et les principes qu'on aimerait avoir dans une IA équitable. Est-ce que ça doit être des valeurs universelles ou pas? Donc je ne sais pas. Je lance la question. S'il y a des personnes qui souhaitent répondre, allez-y. Ah, monsieur Ribeiro, allez-y, je vous donne la parole. Est-ce que vous avez accès? Oui, parfait. Vous m'entendez? Très bien. Donc déjà, bonjour et bonjour à mes amis et collègues, je pense à Luc, à Amadou, et félicitations à Luc pour ton talent OSIEM qui est d'excellente qualité. Et merci à Alain Kiendo et ses équipes de m'avoir convié à ce panel. Nous, à l'Institut Europia, ça fait depuis 2010 que nous défendons une IA éthique et équitable. Équitable, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est difficile, hein, parce que l'éthique, elle est multiculturelle. Équitable doit être digne de confiance, elle doit être transparente, responsable, inclusive et équitable. C'est toute la difficulté, l'accès déjà au numérique pour tout ce qui est l'Afrique. Hein. On voit des disparités, des fractures numériques sur toute l'Afrique. Et c'est très difficile d'avoir une IA éthique et équitable. En revanche, on peut faire des forces, on peut être force de proposition pour les gouvernements. Je crois, avec l'Institut européen, nous avons participé énormément sur tout ce qui était éthique en Europe. On continue d'y participer. C'est présidé par Marco Landi, l'ancien président d'Apple. Et nous avons un pool d'experts qui est reconnu aujourd'hui et qui œuvre en ce sens. Pour l'Afrique, nous avons créé l'Institut Africia avec le professeur Saïda Belouali, qui est professeur d'éthique appliquée à l'intelligence artificielle. Nous croyons énormément à l'Afrique. Cependant, on voit des disparités de fractures numériques selon les pays. Et notre rôle, c'est d'apporter des solutions et de faire en sorte de parler d'éthique multiculturelle. Pour qu'elle soit équitable, il faut que chacun d'entre nous se reconnaisse à travers cette éthique et à travers cette justice qu'est l'éthique équitable, sociale, on pourra employer tous les termes que l'on voudra. Mais surtout, il faut faire en sorte que chaque Africain, avec sa culture, ses traditions, se retrouve à travers cette éthique. Donc voilà ce que j'avais à dire en préambule. J'espère avoir été assez clair. Merci, merci beaucoup, Monsieur Ribeiro. Donc, une éthique multiculturelle pour une éthique équitable ou sociale, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si mes intervenants. Oui, allez-y. Écoutez, je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, mon micro fonctionne. Alors, je m'aperçois que. Le micro. Alors, bonjour, on m'entend? Allô. Oui, alors Monsieur Dawara, nous avons Monsieur Célestin pardon, qui essaye d'intervenir et tout de suite je vous donne la parole. Merci. Je vérifie si le micro fonctionne. Cela s'appelle la technique. Allô, allô. Ici, vous m'entendez? Oui. Je change. Parfait. Écoutez, ce que je voulais dire, c'est que je m'aperçois d'une chose, c'est qu'on a. On aurait pu poser une question qui est l'IA au service de l'équité. Nous posons la question qui est plutôt donc l'IA éthique. Alors il me semble que ma première observation c'est que pour quelle raison une telle question n'a pas été posée pour des technologies aussi majeures que par exemple la photonique, le quantique. Je vais apporter ma réponse à moi à cette question et que un préliminaire, c'est qu'elle n'a pas été posée parce que justement, la cognition est au cœur de l'IA. La cognition au sens de la prise en compte des facultés cognitives humaines qui sont le raisonnement, le langage, la perception, etc. Est-ce que... Oui.
Très bien. Ah, parfait. Les personnes en ligne donc ne m'entendent pas, c'est cela. Mais je vais récapituler en disant tout simplement que la question que je me posais était pour quelle raison cette question de l'équité n'a-t-elle pas été posée pour des technologies aussi majeures à mes yeux que le quantique ou la photonique. La réponse à cela, il me semble-t-il, c'est que la cognition est au cœur de l'IA. La cognition au sens de la prise en compte des facultés cognitives humaines, telles que le raisonnement, la compréhension, la perception. Et c'est ce qui fait justement que nous nous posons cette question donc, de l'équité, d'une IA éthique. Il me semble que ma première réponse à la question posée serait plutôt que ce qui est important, c'est que l'IA ne soit pas préemptée par un petit nombre au détriment du plus grand nombre, qu'elle ne soit pas utilisée par exemple à des fins de renforcer le pouvoir d'un clan ou d'une ethnie au détriment des autres, qu'elle ne soit pas utilisée pour promouvoir des régions plus habitées par opposition à des régions moins habitées, des zones urbaines au détriment des zones, je dirais, rurales. Il me semble que c'est cela, une première question de fond, et celle-là, c'est celle d'une utilisation qui est une utilisation qui... justement n'est pas celle de la préemption de quelques-uns, comme nous le voyons dans, hélas, un grand nombre de cas, de quelques-uns au profit, au détriment du plus grand nombre. Merci beaucoup. Je profite juste, on a un problème de son pour les personnes qui sont en ligne. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut se faire. Merci. Donc, je vais vous donner la parole tout de suite après, mais avant, Monsieur Diawara, vous vouliez intervenir, donc la parole est à vous. Bonjour tout le monde, j'espère que de mon côté le son il est bon, parce que Jérôme c'était parfait, on a écouté, mais M. Célestin c'était vraiment difficile, mais moi je suis content de participer à cette belle conférence aujourd'hui avec des sommités, si on peut le dire, et je suis heureux de retrouver aujourd'hui mon frère Jérôme qui fait un excellent travail sur l'intelligence artificielle sur le continent. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, je pense que le sujet, il est vraiment d'actualité. Et je posais la question ce matin à Jérôme, s'il avait vu croiser Elon Musk à Paris et s'il avait pu lui poser ces questions-là avec tout ce qui se passe actuellement. J'ai bien apprécié la photo avec notre président. Mais ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, la question, elle est importante. Et ce débat, il est capital aujourd'hui. Et bravo pour l'organisation. Et je suis vu avec intérêt. Mais si nous voulons promouvoir l'équité aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, et je pense que Jérôme, tu le fais depuis le Maroc et avec tout ce qu'on est en train de mettre en place. Nous devons faire des choix difficiles au fur et à mesure que l'IA s'intègre aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos entreprises. Nous réalisons que nos intelligences artificielles sont bientôt peut-être proches de l'humain, mais encore très loin de l'humain, parce que nous qui sommes africains, qui vivons sur le continent africain, et nous avons une réalité culturelle, environnementale et sociétale qui sont là aujourd'hui, qui s'impliquent dans le quotidien, et qui font qu'aujourd'hui, le social prend un pas important dans nos quotidiens. Mais la question aujourd'hui de l'intelligence artificielle peut permettre aujourd'hui d'être un avantage colossal. Et je pense que la question n'est pas de parler de l'avantage ou des désavantages, mais c'est plutôt de parler d'équité. Mais c'est là où l'intelligence artificielle elle est condamnée à reproduire sans cesse nos propres travers, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que nous nous retrouvons dans cela. Et on a vu bien des pays qui ont commencé à interdire certaines IA, mais aussi pour nos futurs apprenants, vu la qualité de l'enseignement, de l'éducation sur le continent africain, parce que aujourd'hui, je me permets de parler de l'IA en fonction du continent africain, c'est là où je vis aujourd'hui. Mais peut-être aussi, les biais sont plus faciles à détecter dans une IA que chez l'humain. Ça, c'est une question que moi, je vais peut-être poser, que peut-être les panélistes ou l'audience peut contribuer à ça, mais c'est un avantage que nous pouvons exploiter, évidemment. Après, un débat fondamental est en train de poser aujourd'hui. Mais je crois que depuis quelques années, les acteurs qui sont engagés au niveau de la maison d'intelligence artificielle, au niveau de OpenAI, au niveau de l'Institut Europeia, tous ces acteurs-là, au niveau du cluster Digital Africa, dont j'ai la chance d'être le président, nous débattons énormément avec Jérôme et les autres sur ce sujet. Ce débat fondamental qui est les systèmes de prise de décision automatisés se déploient à une échelle sans précédent. Maintenant, l'IA appelle aussi à reproduire et influencer le plan de prise au des décisions qui vont être prises, mais comment nous allons réguler tout cela? Et je pense que l'Union européenne aujourd'hui travaille sur cela,
Et c'est ça la question aujourd'hui, ce débat aujourd'hui. Je suis content de voir le jugement de Elon Musk, mais aussi de voir le débat. Je pense que le précédent panel, ils ont fait allusion à cela, cette discussion avec les Américains qui demandent qu'il faut continuer, il ne faut pas continuer. Mais on s'en fout, excusez-moi l'expression. De toute façon, ils sont en avance sur nous en Amérique et nous en Afrique, on n'a rien qui est fait. En Europe, on n'a rien de fait, mais on fonce en Europe pour aller sur les réglementations. C'est là où on veut mettre des freins pour quelque chose où on n'a même pas commencé à être le leader. Donc, je m'arrête là, mais c'est pour dire que si nous voulons que nos économies puissent avoir des opportunités sociales, économiques, la notion d'équité, en tout cas pour moi, elle est vivement débattue dans toutes les conférences aujourd'hui. On en discute, Jérôme, je pense qu'on en discute tous les jours. Aujourd'hui, il faut en débattre et c'est bien. Bravo pour le thème et je reste disponible pour la suite. Très bien, merci. Merci beaucoup, monsieur Diawara. Donc maintenant, je vais me tourner vers vous, votre excellence. Donc j'ai une question particulièrement pour vous, au vu de ce qu'a dit notamment M. Douaroy sur le fait que l'IA s'intègre à tous les niveaux de la société, au niveau des entreprises, des sociétés même, qu'il y a une réalité culturelle et sociétale propre à l'Afrique. Donc vous, en termes de gouvernement, comment vous imaginez l'utilisation de l'IA, notamment pour améliorer les services sociaux et publics, mais surtout, comment vous l'imaginez pour garantir l'équité pour tous les citoyens? Merci, c'est l'occasion pour moi de vous remercier, en tout cas remercier les organisateurs pour cette invitation. Alors, on est depuis hier, en fait, à écouter les experts universitaires. On est perdu, c'est tellement complexe. Et le sujet de l'intelligence artificielle est autant complexe que les avis qu'on peut avoir des chercheurs et des intellectuels. Mais il y a un point qu'on n'a pas abordé depuis hier qui est très important, c'est celui de rappeler que l'IA reste une industrie rentable. Et ça, j'ai l'impression qu'au-delà de nos échanges, de la recherche de la vérité, du développement, de l'équité, on est confronté dans notre société à la problématique de la rentabilité de l'économie. C'est un business, en grande partie aussi. Et elle pose aujourd'hui un vrai problème, celui du défi un défi sociétal. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? La différence de l'IA, c'est que c'est une décision automatisée. On dit à la machine de dire ce que l'homme ne dit pas, il ne pourrait peut-être pas dire, ou le dira mieux, vite et avec un plus fort impact. Mais la problématique de l'éthique vient au niveau de la responsabilité de l'homme. Hier, j'ai aimé l'exemple qui disait, on va plutôt condamner un homme parce qu'il aura pris une décision, lui, avec son être, en tant qu'être humain, sa responsabilité est engagée. Par contre, la responsabilité d'une machine, on le voit aujourd'hui avec les GAB, tous les systèmes automates, met en cause tout un dispositif de responsabilité du DG de la société, du prestataire et tout ce qui va avec. Et là, quand on tient compte de cette réalité, de cette industrie, on se rapproche des valeurs d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une équité. Au-delà de tous les aspects sociaux, culturels, cette industrie, elle a aussi autant d'impact que les industries que nous avons aujourd'hui. Une responsabilité sur le développement, une responsabilité sur la protection de notre environnement. Et là, nous parlons d'éthique parce qu'on touche l'homme. On touche les données à caractère personnel, on touche aujourd'hui le travail de l'homme. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est très important, d'où, pour répondre précisément à votre question, ça met en difficulté les gouvernements. Et là encore, par rapport aux différents gouvernements et les écosystèmes, la difficulté des gouvernements varie d'un État à un autre, d'un continent à l'autre. On n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes industries, on n'a pas les mêmes universités, on n'a pas les mêmes problématiques. Si aujourd'hui la problématique d'une université moderne, c'est d'avoir aujourd'hui plus de fonds pour les laboratoires, je ne pense pas que dans les pays africains, la problématique c'est d'avoir déjà avoir un laboratoire qui existe et avoir des enseignants, c'est une autre problématique. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent à nous, qui se prêtent à nous, et je pense qu'aujourd'hui la question mérite d'être approfondie de voir comment effectivement l'IA peut se poser, parce qu'il y a dans nos cas, dans nos pays africains, nous sommes plus des utilisateurs. On n'a pas de R&D, on n'a pas d'industrie où vous allez avoir des chercheurs qui vont vous développer des chipsets, parce que la problématique elle est là en fait, chipsets, algorithmes. Est-ce que tous les États parlent du même langage? On n'a pas les mêmes industries. Donc la difficulté se situe là. Avant d'aller dans des grands principes, même si parfois on les comprend, c'est comment nous sommes constitués. Et là, il y a besoin de valeurs pour au moins, comme on l'a dit dans le précédent panel, d'informer. Il faut qu'on arrive à comprendre de quoi on parle pour avoir un dialogue commun.
Merci beaucoup et je vais tout de suite rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer une approche, je dirais, africaine de l'IA? Et si oui, avec toutes les difficultés que vous avez mentionnées, comment les pays africains pourraient-ils collaborer pour créer des politiques et des réglementations communes? Alors, ce qui est sûr, c'est que la technologie n'a pas des standards. L'IA va être des algorithmes, que vous soyez dans n'importe quel territoire du monde. Les algorithmes, ça se parle. Je peux être au bout du monde, je peux être à Tombouctou. On connaît ces principes dans les écoles, nous a appris les algorithmes, les procédures, les langages de développement. Ce qui a changé la donne aujourd'hui, c'est la capacité de la technologie, des microprocesseurs à produire en fait ce contenu, à créer ces semi-conducteurs qui ont tout révolutionné. Mais ça, on le trouve en industrie, ne rêvons pas. C'est pas, on ne va pas refaire la partie technologique. Par contre, dans l'usage, je pense qu'il faut, et je ne sais pas si je me trompe en le disant, j'ai lu il y a quelque temps que des universités, comme parmi elles, des universités de Bordeaux, ont mis en place des stratégies pour l'intelligence artificielle. Ce n'était pas des stratégies de comment on va développer, on va l'utiliser, mais comment on va comprendre le concept, on va encadrer, on va orienter les décisions qui vont être prises par rapport à l'intelligence artificielle. C'est le même cas avec l'Union européenne aujourd'hui. Et vous voyez que ceux qui portent l'intelligence artificielle, ce sont les grosses fortunes, ce sont les gros, les GAFAM qui prennent des décisions qui influencent le monde. Par rapport à cette influence-là, peut-être que l'Afrique devrait avoir une réflexion, comment on réagit. Mais c'est ne pas refaire la technologie, c'est impossible. C'est peut-être former des gens, mais on forme qui? Est-ce qu'un ingénieur sorti d'une grande école d'Afrique pour aller proposer ses solutions dans des laboratoires d'industrie américaine? Je ne pense pas aussi. Et dire, il faut peut-être que les Africains se posent la question face à l'émergence, en tout cas, de l'intelligence artificielle dans nos vies, puisqu'on veut tout automatiser, on veut avoir des actes de naissance à l'instant T, on veut instantaner, tout est devenu instantané, notamment les paiements, tout ce qui touche aujourd'hui la vie civile, on veut réagir immédiatement, c'est de l'industrie, il faut de l'intelligence artificielle pour le faire, mais comment aujourd'hui on protège l'homme, on protège nos économies, on protège aussi nos sociétés face à cette influence portée par la technologie. Et donc il faut peut-être une stratégie africaine, une réflexion africaine, une charte africaine. Les experts en diplomatie sauront nous dire quel est le meilleur moyen, mais nous, en tant qu'experts techniques, on a le devoir d'alerter sur les risques, en tout cas pour la société, mais d'un point de vue technologique, d'alerter également, de dire que, attention, on sera toujours influencé par la technologie. Merci, merci beaucoup, Votre Excellence. Alors du coup, je vais me tourner vers Monsieur Sédogbo pour confirmer. On a parlé des usages. Donc, est-ce que on ne peut pas imaginer que de garantir que l'IA n'entraîne pas de discrimination basée dans sa conception? On ne peut pas s'autoriser à imaginer que l'IA n'entraînera pas de discrimination? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que il ne faut pas oublier que l'IA manipule essentiellement des algorithmes qui fonctionnent sur des modèles, et des modèles de connaissances, différents modèles qui existent. Et une question peut se poser qui est, quels sont les modèles, qui dit modèle dit représentativité. On peut par exemple se poser une question qui est, quelle est la représentativité des modèles en Afrique? Est-ce que c'est plutôt basé sur le droit d'aînés? On peut imaginer. Ce sont des stratégies hein, de raisonnement, des stratégies comportementales, tout simplement. Et, ou bien est-ce que c'est plutôt basé sur la demande actuelle d'une jeunesse qui est un modèle très égalitaire, basé sur plutôt les compétences? Et donc, vous voyez, dans ce que je viens de dire, on voit bien qu'il y a une espèce de, un conflit générationnel, enfin, je le pose ainsi, et qui est à la fois une partie de la population dont le mode de pensée, le modèle serait plutôt un modèle basé sur le droit d'aînés, et une nouvelle jeunesse, la jeunesse pour laquelle la représentation serait plutôt basée sur un modèle qui est un modèle plutôt égalitaire et de compétences. Donc voilà, c'est une des réflexions que j'ai aujourd'hui sur l'un des fondements de mon point de vue de l'IA sur la question qui en tout cas nous est posée. Nous devons être, l'Afrique doit être en position, même si les algorithmes sont des algorithmes sur lesquels il n'y a pas un investissement, même s'ils sont faits par d'autres, reprises à d'autres endroits, parce que tout simplement les moyens financiers permettent de le faire, il reste malgré tout que l'Afrique ne peut pas confier les modèles et leurs représentations à d'autres.
Parce qu'il y a tout simplement, n'oublions pas cela, des modes de pensée, des modes de raisonnement. Merci, merci beaucoup, Monsieur Sedogbo. J'aimerais me tourner vers Monsieur Ribeiro, pardon, en ligne. Je ne sais pas s'il m'entend bien. Oui, je vous entends bien. Parfait. Merci. Quand je vous ai présenté, j'ai parlé de la Maison de l'intelligence artificielle d'Afrique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Et est-ce que vous pensez que ça a un rôle, que ce type d'initiative a un rôle prépondérant dans la construction des fondements et des principes autour d'une IA équitable? Alors, qu'est-ce que est une maison de l'intelligence artificielle? C'est un lieu d'acculturation. C'est un lieu où on vient expérimenter, comprendre l'intelligence artificielle. Il faut faire beaucoup de pédagogie, parce que vous pouvez parler de digitalisation, de numérisation d'intelligence artificielle. Si vous n'expliquez pas et vous démontrez pas par des cas pratiques ce que c'est, les gens ne comprennent pas. On a vu dans certains pays, je ne vais pas les citer, ils ont dépensé des millions d'euros pour dire il faut digitaliser, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous parliez à des agriculteurs, à des gens du bâtiment, à des gens du service, ils n'étaient pas du numérique. Ils ne savaient même pas ce que c'était de digitaliser. Nous, la Maison de l'IA, c'est un lieu d'acculturation. On a créé des parcours pédagogiques, des ateliers, des formations dès l'âge de 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce qu'en Chine, ils acculturent dès l'âge de 3 ans. On donne des tablettes à des enfants dès l'âge de 3 ans et on leur explique pas ce que c'est. C'est un outil. Aujourd'hui, on a bien compris qu'avec ChatGPT, il n'y aurait plus de numérique sans IA. Quand on digitalise, qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée? Les GAFAM, qu'est-ce qu'ils font? Google, il fait sa richesse grâce à vous. Nous sommes tous devenus des produits. Chacun, nous sommes un produit par ce qu'on demande à Google, par nos actions lorsqu'on se déplace, etc. On donne accès à la donnée. Aujourd'hui, quand vous dites digitaliser, c'est l'IA qui va traiter cette donnée. L'IA va gérer cette donnée. Donc, il n'y a plus de numérique sans IA. La maison de l'IA, c'est un lieu d'acculturation. On forme, on explique, on acculture, on démontre. On a un espace de coworking, on a un incubateur, on a des cycles de conférences que l'on fait. Nous avons des formations sur tous les domaines d'activité, aussi bien pour les institutionnels, pour le bâtiment, pour les services, pour l'agriculture, pour le climat, pour tout le spatial, etc. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel. Et chaque fois que les individus sortent de cette formation, 99% veulent aller sur l'IA. Parce que l'IA, comme l'a dit mon ami Luc, c'est hyper important, c'est rentable, c'est l'avenir de demain. Et une entreprise, quand elle implémente de l'IA chez elle, elle améliore toutes ses relations clientèles, managériales, sa supply chain. Un agriculteur, il va augmenter sa production. On a développé un système d'eau, d'arrosage avec des drones. On a déjà cartographié selon les terroirs pour optimiser les cultures. En fonction des cultures, on dit ben sur ce terroir, il faut de la tomate, il faut de l'oliveraie, etc. pour optimiser les cultures. Et avec un drone, avec des caméras spectrales, on est capable de savoir les besoins de la plante et arroser que ce qu'elle a besoin en eau, comme nous. Si on nous donne 10 litres d'eau, on va nous noyer. Une plante, c'est pareil. Et là, on a fait 90% d'économie d'eau. Vous imaginez 90% d'économie d'eau. Et avec ce cas pratique, là, on l'a fait au Maroc. Tous les agriculteurs marocains veulent notre application. Et c'est comme ça qu'il faut démontrer. Et la maison de l'IA est un lieu qui donne une dynamique nationale, qui est là pour acculturer. La pédagogie est essentielle. Vous pouvez mettre toutes les stratégies nationales en place. Si vous ne mettez pas les moyens d'acculturation, de pédagogie, vous n'y arriverez pas. Et nous sommes là pour vous y aider. On a créé ces parcours pédagogiques qui sont reconnus dans le monde entier aujourd'hui. Et l'université Mohamed Ier travaille avec nous sur ces sujets-là. On développe sur toute l'Afrique. Je suis très heureux de voir l'importance que ça a pris depuis ChatGPT. Enfin, nous avons compris et la conscience, les consciences se sont élevées que l'IA était dans nos foyers et que nous étions devenus un produit. Donc, je crois en l'Afrique et je crois aux talents africains d'implanter les maisons de l'intelligence artificielle sur tous les territoires de l'Afrique qui vont donner une vraie dynamique, qui vont acculturer, qui vont faire de la pédagogie, qui vont démontrer, qui vont incuber. Ils vont incuber des entreprises. Et nous incubons des entreprises que nous valorisons très rapidement. Le projet de l'Ossoro au Maroc, aujourd'hui, l'entreprise vaut plus de 100 millions d'euros. Donc, on peut créer des licornes. Mais il faut mettre les moyens, il faut travailler tout ensemble. Il faut rassembler les écosystèmes. Nous travaillons avec CCI International, tout l'écosystème des chefs d'entreprise. Mais la jeunesse, ce matin, j'étais encore avec le Congo depuis que j'étais au salon Ousiane, et je félicite Luc encore pour ce salon qui était d'une qualité énorme, où on a pris beaucoup de contacts. J'étais avec l'association Agir, qui me disait, Jérôme, comment tu peux nous aider? Devenez des ambassadeurs
avec nous, de notre faire savoir, des maisons de l'intelligence artificielle. Faites savoir à votre gouvernement que vous voulez aller sur les métiers du numérique. Il faut former 650 millions d'Africains d'ici 2030. C'est pas moi qui le dis, c'est McKinsey et Oxford Boston Consulting. Donc, la MIA, on apporte aussi des plateformes de formation. Des plateformes de formation où on forme les formateurs et on forme les enseignants sur les master 1, master 2, diplômes d'ingénieur et doctorat. Donc, tout ça avec des diplômes reconnus au niveau international. Et ça, c'est primordial parce que beaucoup trop de diplômes aujourd'hui en Afrique ne sont pas reconnus en Europe. Donc, nous apportons tout ça avec des plateformes de services où, pour éviter le offshoring, aujourd'hui, vous faites du offshoring, vous formez des Africains, c'est la fuite des cerveaux. Pourquoi ? Il n'y a pas de job sur place. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas acculturé, vous n'avez pas fait de la pédagogie. Donc, on a créé une plateforme de service où tout Africain qui peut travailler à distance se fera savoir son savoir-faire dans le monde entier. Donc, pourra s'inscrire sur notre plateforme pour proposer ses services dans le monde entier. Et nous avons les clients en face. Nous faisons les liens de confiance. Des plateformes de recrutement avec des matching valeurs, ça n'existait pas parce que la jeunesse se retrouve à travers des malheurs, des valeurs, des missions de vie. Et nous faisons tout ce qui est au service des objectifs de développement durable et au service de l'humanité. Nous n'irons pas sur des sujets de guerre, nous n'irons pas sur des sujets qui rendent à l'encontre de l'humain et on met chaque fois l'éthique et l'humain au cœur de l'intelligence artificielle. Donc, désolé, je suis passionné. Merci beaucoup, Monsieur Ribeiro. Le temps est limité. J'aimerais peut-être juste me permettre une toute micro dernière question pour Monsieur Diawara. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous en dire plus sur comment les compétences et les formations nécessaires pour travailler avec l'IA peuvent-elles être promues et développées ? Merci, Monsieur Diawara. Bon, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'avec Jérôme, il est passionné, donc il arrive à dire plus ou moins dans l'ensemble ce qu'il faut. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de le dire à chaque fois que la plupart des métiers de 2030 ne sont pas créés encore. Et on est pas loin de 2030 et pourtant, pour moi personnellement, ces métiers ne sont pas créés. Et en tout cas, sur le continent africain, il va falloir qu'on y travaille dessus. Et la question qui se pose aujourd'hui, comment nous allons créer ces métiers-là, comment nous allons faire en sorte que l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas, qui est en train de chambouler notre quotidien aujourd'hui, ça monopolise le débat. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a que deux débats. On parle de la crise en Ukraine et un petit peu de Taïwan et après de l'intelligence artificielle. Mais la question reste aujourd'hui essentielle pour nous, Africains. Quelles sont nos priorités et quels sont les métiers futurs pour notre continent, puisque l'avenir du monde aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas l'IA, c'est l'Afrique. Vous savez, de par la jeunesse de notre continent africain et l'intelligence artificielle, elle va changer beaucoup de choses chez nous, évidemment. Vous savez, nous, les Africains, c'est génial aujourd'hui, on a pu sauter le gap avec les téléphones analogues pour arriver au mobile monnaie aujourd'hui. Et cela a bouleversé le continent africain et ça a permis aujourd'hui de faire un saut en avant. Maintenant, nous pensons que, je parle sous le contrôle des officiels qui sont là aujourd'hui, pour dire que nos gouvernements sont en train de travailler pour cela et je pense qu'ils ont encore beaucoup de boulot à faire pour faire en sorte que l'IA puisse être bénéfique à nos populations et aussi à nos jeunes aussi qui sont en train d'innover, qui sont en train d'apporter des solutions. Mais la question essentielle qui se pose aujourd'hui, pour moi, je pense clair, c'est que nous ne pouvons pas continuer à suivre les Américains. Nous devons travailler avec des IA qui sont bénéfiques à nos sociétés, à nos communautés, mais à nos réalités. La question aujourd'hui, est-ce que devons-nous suivre le modèle européen ? Moi, je ne pense pas. Je pense que l'Europe n'a pas à suivre les Américains comme nous, les Africains, nous n'avons pas à suivre les Européens. Mais la question aujourd'hui, c'est le leadership et nous pensons que nous, les Africains, il faut qu'on se positionne aujourd'hui en fonction de cela pour former notre jeunesse aujourd'hui, pour que cette jeunesse aujourd'hui, elle puisse trouver les solutions. Parce que vous savez, toutes les matières premières sont chez nous en Afrique. Lorsque nous allons utiliser ces intelligences artificielles-là, à un moment donné, nous allons avoir besoin de composants, nous allons avoir besoin de ressources. Ces ressources sont chez nous, comment nous allons transformer ? Je pense que l'IA, pour nous, en Afrique, nous devons travailler pour notre industrie. Comment cela peut être bénéfique pour qu'on puisse produire en Afrique et que nos intelligences qui sont produites en Afrique peuvent servir le monde. Parce que la question aujourd'hui, il faut inverser le rôle aujourd'hui. Je pense que nous avons 1 million de problèmes en Afrique. Lorsque nous allons résoudre même 100 000 problèmes en Afrique, c'est le monde qui va bénéficier de cela. Et nous pensons qu'aujourd'hui, toute cette communauté aujourd'hui, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à l'Institut Africa, mais que ce soit la Maison d'intelligence artificielle, et tous les panélistes et ceux qui sont dans la salle doivent convenir avec moi que nous devons faire en sorte que l'Afrique puisse être parmi les champions de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et nous, les francophones, il est de notre devoir aujourd'hui, puisque nous devons voir aujourd'hui avec la France ce leadership qu'ils ont au niveau de l'Union européenne, comment ils peuvent travailler, accompagner des projets en Afrique, parce que Jérôme, il fait beaucoup d'efforts, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que nous sommes confrontés à un problème de financement, parce que nos gouvernements aujourd'hui ont d'autres priorités,
Et on n'est pas là pour commander, mais nous, comment nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour justement créer des moyens de financer ces projets-là. Et il y a des outils qui peuvent exister. Aujourd'hui, il faut faire du financement participatif, il faut aller chercher des investisseurs. C'est pourquoi je posais cette question, est-ce qu'il a vu Elon Musk? Parce qu'Elon Musk, aujourd'hui, je pense que Toys Africa, c'était pour qu'il vienne financer des projets en France. Mais il s'est dit, Africain Elon Musk, pourquoi il ne vient pas financer des projets en Afrique? Je pense qu'aujourd'hui, s'il vient dans la région de la RDC ou même du Mali, il y a assez de ressources, il y a assez de projets et nous pouvons travailler avec lui pour financer ce projet-là et ensemble développer notre continent africain. Donc, je m'arrête là. Mais moi, je suis africain et je pense que j'ai la chance d'être franco-malien. Donc, aujourd'hui, je connais les réalités européennes, je connais les réalités africaines. Mais la question importante aujourd'hui, nous ne pouvons pas débattre seulement comme on a l'habitude de le faire en Europe. Nous devons être les acteurs majeurs de cela pour devancer la Chine et devancer également les Américains. Et l'Europe a un rôle important à jouer. Et je pense que nous, les Africains, nous pouvons travailler ensemble. Merci pour ce très beau mot de la fin. J'aimerais rapidement inviter l'audience à prendre la parole. Si des personnes qui ont une maximum de questions, sera avec plaisir. Bonsoir à tous, je suis Diana Yango, lauréate du concours IA Challenge 2023. Je m'aligne avec la pensée de M. Amadou Diawara. Je pense que le continent noir doit aussi bouger et non plus être un observateur passif. Donc c'est plus une préoccupation qu'une question. Mon équipe et moi, nous avons réalisé un film sur l'application de l'intelligence artificielle dans l'agriculture au Cameroun. Et lors de nos différentes descentes sur le terrain, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient des projets porteurs, mais qui restaient inachevés ou non concrétisés, faute de financement. J'aimerais savoir comment se passe l'accompagnement des jeunes, des personnes qui ont des projets porteurs, des projets numériques qui pourraient permettre de développer l'Afrique. Merci. C'est lui qui prend tout ça. C'est lui qui prend toutes les questions. Merci beaucoup aux différents intervenants. Merci. J'aimerais réagir par rapport à une intervention de son Excellence sur le fait que il se posait la question si les étudiants formés en Afrique pourront intervenir en Europe ou en Amérique en termes d'intelligence artificielle. Ma préoccupation, c'est pourquoi pas, pourquoi vouloir former nos étudiants pour les faire travailler en Europe ou en Amérique et ne pas les utiliser sur des projets africains. Et je pense que déjà, si nos gouvernements financent déjà ou font confiance aux étudiants qui sont formés en Afrique, et au lieu de signer des contrats avec des sociétés européennes ou américaines qui viennent travailler en Afrique, ils les signent avec des étudiants africains et qui sont accompagnés par les enseignants, on pourrait déjà faire un grand pas en avant. Merci. Oui, merci pour ce panel qui me permet de relancer quand même la discussion. Parce que là, on est en train de parler de l'IA comme quelque chose, je ne sais d'ailleurs pas comment on peut le définir. Et je me demande s'il n'est pas temps de changer un peu de paradigme. Nous sommes toujours dans le domaine du traitement de l'information. Et quelles que soient les performances, la diversité de tout ce que l'on peut réaliser, on est quand même encore dans le domaine du traitement de l'information. Donc l'IA, ce n'est pas quelque chose, une entité comme ça, homogène et tout, c'est l'ensemble de techniques que l'on peut mobiliser. Donc est-ce qu'il ne serait pas... C'est vrai qu'on peut décider que l'IA doit être placée... Où on peut prendre le paradigme de l'industrie, par exemple. Et à ce moment-là, rien n'empêche que telle ou telle société prenne la main et prenne le monopole. Et comme ça, on aura une société d'IA qui ira, par exemple, mettre en œuvre le programme béninois pour créer des services bancaires ou des services d'alphabétisation dans les langues nationales. Si on ne changeait pas de paradigme, ce que je crains, moi, c'est qu'on soit en attente de l'arrivée d'une technologie ou d'un monopole pour prendre la direction des opérations. Or, il y a à travers le monde des tas d'exemples qui vont utiliser donc
diverses technologies, informatique, télécommunications, linguistique ou sciences du langage en général, cognition, etc., pour créer des ensembles utiles à la société. Est-ce que, donc je pose la question aux panélistes, est-ce qu'il ne faudrait pas changer de paradigme et voir plutôt les finalités de ce que l'on veut mettre en place et dire que pour arriver à telle fin, on va utiliser, mobiliser tel outil, ce qui laissera le champ complètement ouvert. Donc les Béninois n'ont pas besoin d'aller chercher des Canadiens ou même OpenAI pour mettre en place une application de téléphonie pour parler fond. Les Malgaches n'auraient pas besoin de ces sociétés-là, d'une entreprise pour mettre en place aussi un service d'alphabétisation par le smartphone, alors qu'ils sont les premiers à le faire au monde, ça. C'est une plateforme qui marche. Il va y avoir dans une thèse, celle qui a mis au point le dispositif va soutenir sa thèse. Elle aurait dû le faire déjà en décembre, on n'avait plus de place. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut continuer à raisonner en termes d'une nouvelle apparition technologique monolithique, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas se situer dans le paradigme plutôt des applications et voir comment on peut mobiliser. Je pense, personnellement, je pense que c'est la seule façon de voir naître des compétences partout et qu'on n'ait pas un problème de fuite de cerveau que certains évoquaient tout à l'heure. Mais si dans chaque pays, on peut mobiliser une équipe autour d'un projet, eh bien, on n'entendrait plus dire. Je parlais tout à l'heure de la question que je posais à ChatGPT, de savoir comment on qualifierait, puisqu'il se qualifie d'intelligence artificielle, comment on qualifierait d'autres systèmes qui emprunteraient d'autres voies, qui feraient même des produits paramétrables. On n'aurait pas besoin d'aller sur tel ou tel logiciel pour avoir des solutions. Et bien, la réponse a été que leur souhait, c'est qu'il y ait un produit standard pour tout le monde. Oui, sans vous censurer, répondez brièvement pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps. D'accord. C'est gentil. Oui, bon, si merci. D'accord. Il y a eu trois questions, en tout cas. Moi, je vais commencer par la dernière, tout ce qui est paradigme et tout. En 2008, il y avait le grand sommet de la société de l'information en Afrique. On a eu nos premières connexions fibre optique en 2020-19 dans les pays africains. Il s'est passé quasiment plus de 10 ans, une quinzaine d'années pour s'adapter à ces sujets-là. Moi, je veux bien qu'on change de paradigme. On n'a pas les mêmes industries, on n'a pas les mêmes sociétés, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes niveaux d'avancement, de développement. Et à un moment, il faut être réaliste qu'on ne peut pas se mettre au niveau de certains parce qu'on n'a pas les moyens. On nous a parlé aujourd'hui, et j'ai encore entendu pendant ce colloque, des statistiques sur le taux de pénétration d'Internet, des smartphones, mais qui fabrique les smartphones? Deux grands leaders dans le monde, Apple et vous avez aussi Samsung. Je suis désolé, ce sont des industries qui dominent le monde. Et vous n'avez pas aujourd'hui créé une industrie. On a vu chez nous, on a eu des jeunes qui ont eu des brillantes idées, qui ont créé des smartphones au bout d'une année, ils ont écroulé parce qu'ils ne pouvaient pas répondre à la demande. Même la demoiselle est brillante, je vous félicite au passage pour ce que vous faites au Cameroun en tant qu'étudiante. Et je sais que, d'ailleurs, mes salutations à Fleur Nadine qui vous conduit, que je connais très bien. Mais là encore, on ne va pas toujours parler de financement. Les problèmes ne sont pas au niveau du financement. C'est un mot qui, je ne sais pas qui l'a dit, pédagogie et acculturation. Tant qu'on n'a pas compris les enjeux, on ne mettra jamais les moyens. Ce n'est pas les moyens qui manquent en Afrique. Pourtant, tous les pays africains mettent beaucoup d'argent dans la sécurité physique. Mais personne ne se voit venir le danger de la sécurité virtuelle. Il faut commencer à éduquer, à dire où sont les enjeux. Et ça, c'est super important. Donc, pour moi, le problème de financement ne se pose pas. Parce que je pense que c'est un problème de comprendre où mettre de l'argent par rapport aux enjeux du futur. On parle de la jeunesse, mais combien on met pour la jeunesse dans les budgets de nos États, dans le budget des entreprises? On parle la responsabilité sociétale des entreprises, qu'on a même ajouté environnementale. Pourquoi on n'a pas ajouté jeunesse?
Ça, c'est le problème d'orientation, de choix politique par rapport aux enjeux. La deuxième problématique, c'était finalement la formation. Non, je n'ai pas dit qu'il fallait aller former les gens, les Africains pour aller en Afrique. Et moi, je vois mon pays, moi-même, je fais partie de ceux-là. On a tous fait ce que nous offrait notre système éducatif, mathématiques à l'université des Marins Gwabi. On est formé en mathématiques. Après, d'ailleurs, Alain peut en parler aussi. Après, on était obligé de partir parce qu'il n'y avait pas d'autres offres de formation. Vous sortez avec une licence en mathématiques, vous arrivez dans une école d'ingénieurs, vous êtes parfois majeur de votre promotion. Ce n'est pas l'intelligence qui manque. Mais là encore, c'est les structures qui manquent. Et après, une fois formé, c'est l'industrie dans laquelle vous allez évoluer. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer en Europe, dans des grandes sociétés. Je rentre dans mon pays, je me sens très utile. Je n'ai pas besoin d'avoir un poste politique pour ça. Mais je me sens utile où je suis. Mais c'est cette réflexion qu'il faut avoir. Mais pour avoir cette industrie, il faut déjà avoir une industrie. Vous n'avez pas demandé à des gens de créer des voitures en Afrique quand vous ne savez pas aujourd'hui faire des moteurs qui sont électroniques. Vous n'avez pas des... Voilà. Elle ne crée pas, mais le savoir, la transformation, la production, ceci situe. L'Occident le fait. C'est pas un mal, c'est pas une gêne de le reconnaître. Et il faut peut-être avoir une stratégie de ramener les industries, mais aussi l'économie qui va avec, le pouvoir d'achat qui va avec. Ça, c'est un point. Le premier point, et d'ailleurs, je réponds à tout, mais je veux qu'on soit réaliste. Et d'ailleurs, c'est le professeur qui le disait tout à l'heure, ce n'est pas... On reste dans les systèmes de communication, les systèmes de communication, les systèmes d'information, les technologies de la communication qui évoluent avec deux caractères importants. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une automatisation de la décision. C'est-à-dire que c'est la machine qui va décider pour vous. C'est la machine qui va vous dire si vous avez un rendez-vous à l'ambassade de France ou pas pour prendre votre visa ou pour n'importe quelle ambassade. C'est la machine qui va vous dire si vous avez le droit de récupérer aujourd'hui votre acte de naissance quand vous voulez tous les automatiser. Maintenant, on l'a entendu ici, qu'est-ce qu'on dit à la machine de faire ? C'est là les enjeux, c'est là l'orientation politique qu'on attend. C'est de ne pas faire ce que la machine doit faire, mais ce qu'on doit lui dire de faire à travers des décisions, une réglementation et une orientation. C'est ça le débat. Pour moi, aujourd'hui, il est là. Techniquement, je ne pense pas que ça soit autre chose que ce que nous connaissons dans les communications, les technologies de la communication aujourd'hui. Mais c'est plutôt le danger qu'il y a d'intrusion dans la vie humaine, le danger qu'il y a par rapport à l'éthique, par rapport à nos valeurs, à nos cultures. Quelles décisions nous prenons ? Voilà. Pour moi, le débat, il est là. Techniquement, c'est un très bon débat, mais laissons les techniciens, les experts développer des applications et des algorithmes parce qu'ils ont un savoir-faire, mais sur les enjeux, sur l'influence que l'IA, en tout cas les solutions qui sont portées par l'IA ont dans la vie économique, personnelle, il y a des choix à faire, il y a des orientations à prendre, mais je ne pense pas qu'il soit des choix au niveau du financement parce qu'on les a, les financements, si vous faites genre, bon, je ne vais pas dire des bêtises, mais il y a des financements au niveau de la formation, on sait former nos cadres, la preuve, former un Africain en mathématiques jusqu'en licence, il arrive ici, il tient. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'environnement, il n'a pas l'industrie, il n'a pas aujourd'hui l'espace pour s'exprimer. Parce qu'on n'a pas ces environnements. Une dernière chose, je vais clôturer par ça. Quand on fait le salon Ausiane, cette année, on a été tellement bluffés. On a eu quasiment 15 000 jeunes qui sont venus juste pour écouter parce qu'ils ont compris que l'enjeu est là. L'année dernière, on était encore à moins de 2 000, quelque chose comme ça. Et on voit que chaque année, ce besoin grandit. Bah, faut les gérer, ces jeunes-là. Faut les mettre dans les institutions. Mais si vous n'avez pas d'environnement pour le faire, comment vous allez vous y prendre ? Voilà, c'était l'enjeu pour moi, il est là. Et voilà, je ne vais pas m'éterniser. Je corrige une chose, je ne suis pas excellence. Est-ce que je pourrais poser une question, s'il vous plaît, pour avoir un complément d'information ? Question très brève. Monsieur Messid Dimbazi a très justement explicité la notion de business et la notion de responsabilité et d'interrelation. Alors, nous savons que un homme peut être assigné en responsabilité juridique par défaut de moyens, d'obligations, etc., enfin par manquement. Il y a des projets à l'heure actuelle, ce que j'ai cru comprendre, et pourrait-on avoir un éclairage, à ce que l'IA ait la notion d'une responsabilité juridique au niveau de personne, à tel point qu'il y a une IA maintenant qui est présidente d'un conseil d'administration d'une très grosse société en Chine, et d'autres projets à un degré dessous, qui est que l'IA soit dotée d'une personnalité juridique technologique. Ou alors, peut-on assigner, tout simplement, la société productrice ou hébergeante de l'IA Rapidement, brièvement. Elle est très complexe, cette question, et je pense que là, effectivement, il faut que les intelligences se rassemblent pour voir toutes les dimensions de la problématique. Mais c'est vrai qu'il faut en arriver là.
jusqu'où la responsabilité de l'IA, les concepteurs, ceux qui créent les algorithmes, est engagée dans les solutions. Aujourd'hui, j'ai pris l'exemple de Jérôme qui parlait des drones pour l'eau et tout, mais demain, imaginez que les calculs soient faux et qu'il y ait une économie qui chute. Mais où je pense, encore une fois de plus, où on est tous d'accord, j'ai comme l'impression que nous sommes tous d'accord, ça reste une industrie. Ça reste une grosse industrie et ceux qui la portent aujourd'hui sont ceux qui sont capables de vous mettre des gros serveurs, des gros data centers. On a beau dire construire des gros data centers en Afrique et tout, des gros câbles, mais je suis désolé. Ceux qui les détiennent aujourd'hui avec tous les systèmes qui vont avec, ce sont ceux qui ont des grosses fortunes et ça reste une industrie et c'est eux qui nous influencent. Peut-être que par ce canal-là, commencer à réfléchir comment on sanctionne, comment on réglemente, mais c'est un point assez difficile et les juristes peuvent nous aider sur le sujet. Et nous sommes au cœur de l'éthique et la Fondation la responsabilité travaille sur cette notion de responsabilité juridique. La responsabilité reste toujours humaine. La responsabilité est nécessairement humaine. Il ne faut pas faire dire ou faire à l'IA ce qu'elle n'est pas. Elle n'est qu'une technologie. Elle ne sert qu'une seule chose. Elle sert à la prise de décision. Et donc, l'avenir, c'est plutôt l'hybridité, ce qu'on appelle l'hybridité, c'est-à-dire tout simplement, c'est une technologie qui est maîtrisée au service d'humains qui prennent des décisions et qui engagent leurs responsabilités. Merci beaucoup. Donc, je remercie tous nos intervenants. Donc, je m'excuse pour ce surplus protocolaire, si je peux dire. Donc, merci Monsieur Luc Missidi-Bazi, merci Monsieur Jérôme Ribeiro, Monsieur Amadou Diawara et Monsieur Célestin Sedogbo. C'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. La session a un peu duré. Donc, encore une fois, je vais vous faire un terrible résumé avec mon accent français en anglais, avec quelques takeaways. Let me see. Yeah, so today we had a session on the principle equitable AI, and I'm going to share with you some few takeaways. The first one is the main subject was not about the advantage or disadvantage about AI, but more about equity, and in particular, multicultural equity. And that we need to have equitable AI and social AI. The second one is that it's very important to not forget that AI is a cost-effective industry, sector in industry that make profits, and it's very important to think about it. And then we need to think and to explore an African approach to those problems, despite the difficulties that the African countries can have and the differences. And that's why, and to do this, we need to foster leadership, African leadership, on AI. And the last one was a very important point about trainings and, in particular, acculturation about AI, because if we don't have acculturation, we will not have financing and not industry and not schools and not everything that goes with. So thank you very much, everyone, and have a beautiful afternoon.